Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Knarfank pour un nouvel épisode du Donjon de Nullbuck. Dans cet épisode, je cherche à mettre ça un chrono avant de déborder. Hein. Je me connais, je déborde très vite. Oui, c'est pas faux, mais on est dans un tunnel. Donc pour la dernière partie, j'espère, du temple de la grosse enclume. Let's go. Ah bah tiens. Entre vous, partez ou vous subirez d'indicibles châtiments d'une cruauté sans pareil. Non mais c'est bon là, on va pas repartir. De toute façon, je n'ai plus de texte. Personne n'est jamais arrivé aussi loin. Vous êtes à deux doigts de trouver des trésors et je serai libéré de ma malédiction. Ça vous rend service en fait. Bon, au bout de quelques siècles, on s'y fait. Et puis de temps en temps, les rois des nains du chaos viennent déposer des trésors ou sacrifier d'innocentes victimes à l'enclume. C'est distrayant. Donc c'est bon là, on y est? Oui, sauf que il y a un grand piège de feu. Si vous l'avez désactivé, ça ira. Sinon, vous finirez en petit tas de cendres. Et comment on sait si on l'a désactivé? C'est dans la prophétie, là, je pense. Vous savez, le truc des myriades dieux qui veillent. Oui, ce sont sans doute les araignées. Ah oui, pas con. J'ai toujours cru que c'était les yeux du potage. Bon. Et puis il y a les sentinelles qui veillent et qui doivent détourner le regard, mais bon, j'ai assez dit. Bonne chance. J'ai jamais vu un gardien des runes aussi nul. Attends, est-ce que t'as déjà vu des gardiens des runes avant lui? Ah, je l'ai pas désactivé. Tiens. Retournons au livre de la prophétie. Oh, les jolis dessins, c'est quoi? Oh, c'est chiant, il est mal placé là. Bon, si, c'est. Allez, c'est par là. Ah, je suis obligé de marcher. Oh, en secours. Oh, les nains, ils savaient faire des tunnels chiants, hein. Et donc dans un dernier, le rejoint se présenta son postérieur velu à ses ennemis. Les trugulorques reculèrent, restant terrifiés par cette vision cachée. Son regard dans l'abysse, l'abysse regarde en retour, que les tréfonds du qu'en soient témoins. Seuls ceux qui marchent dans ses pas seront considérés dignes d'accéder à la grosse enclume. C'est pas ça, c'était quoi c'était quoi l'enclume? Il y avait une prophétie ailleurs là-dessus. Alors, que je mette la carte à jour. Oh, je me suis pas posé la question, c'est le matin, au secours. Au secours. Est-ce que c'est l'inverse? Est-ce que... Est-ce qu'il faut tous les remettre droit? Est-ce que... Où il faut les mettre dans le sens où il y a la salle. Ça peut se faire aussi. Il n'y a pas d'autres statues ici, je crois. Moi, je vais devoir faire toutes les salles parce que je sais plus où est-ce qu'elles sont les statues. Allez, on part sur un épisode de la balade. Hein. C'est un épisode de la balade. Qu'est-ce qu'on peut se dire? On peut se dire que j'ai une myriade de jeux en réserve. Voilà. Ça change un peu. Hein. Ah mais, attends, lui il était pas dans la bonne pose? Oh sa race, il était... Ok, j'en ai juste oublié un. Tiens, on a trouvé la solution. Bah allez, tout seul comme un... Étrange, ça cache quelque chose. Facile, c'est une énigme où les nains ils doivent montrer leur derche. Contempler l'abysse. Le trou du nain. Maudit soyez-vous qui... Ah ben non, du coup c'est fini, vous avez pillé le trésor. Terminez la malédiction. Ouais, au pillage. Bah du coup, merci, je disparais dans l'oubli éternel de la mine. Adieu. Il va me manquer. Mais tu disais que c'était un baltringue. C'est culturel, je te dis, pisseuse de tisane. Il est parfait le nain.
Waouh, plein de tombes qu'on ne peut pas piller. Je sais pas si on a le droit, ce n'est pas à nous. Putain, par contre, ils sont sérieux sur le loot, hein. Avec un peu de chance, il y a quelque chose de magique là-dedans. Obtenir tous les équipements épiques du nain. Ah, ok. Attention, la curiosité est un défaut qui peut se révéler mortel. Alors, y a de l'or là-dedans? Y a un peu de loot, hein. Putain, on en a chié, mais pas pour rien, hein. Bon, bah... pause loot. Direct. Potion de gros bilatitude, ok. Des bracelets de la confrérie, du piano unique. Moins de protection, du charisme et du courage. Bref. J'ai moins de protection, mais ça lâche 4 points de carac quand même. Hein. Force adresse constite, j'aime bien. J'aime bien l'idée. Charisme, j'en ai pas besoin. Je vois pas pourquoi ils veulent mettre du charisme au ranger, mais bon, je... Le plastron de Thoratorn l'aviculteur. Le mec, il est full vêtement de paysan quand même. Bon, bah vas-y, mettez-lui du charisme. Hein. Vous avez au décidé moins, de avec ça, j'aurais pas l'air d'un gland. Rempart décoré de Viagra. Putain. Viagra était un célèbre ranger de niveau 15. Après des années d'aventure, il troqua son célèbre bouclier contre une vie de prêtre de Dlul. Protect 3, donc déjà c'est mieux. Non, c'est, on est bien sur le bouclier, ouais, c'est ça, Protect 3. On tranque notre résistance physique et nos 6 de parade contre un 8 de parade et adresse force constite. Oh, alors, à juger. Hein. À juger. Potion de courage des dragons, file 8 de courage. Oh, c'est pas mal, ça, c'est joli. Hein. Reconlit des semi-hommes, rend des points de vie par tour. Oh. Pourquoi les gens, ils mettent des mains dans mes poches? Et hop là, équipé en emplacement 1. Se faire les poches à soi-même, c'est la mise en abyme du voleur. J'ai oublié de lui remettre une popo, le gars. Pas une popo, une greu-greu. Alors ça manque de grenades épiques quand même dans le jeu. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, en fait, les grenades, ça devient ultra mou du genou. Et c'est un peu dommage. Le Rango, il a tout ce qu'il lui faut. J'ai des noisettes pour les écureuils. Ah, des jambons, vite. Jambon, saucisse, yaya. Hop là. Yes. Y'a quoi là-dedans? Ah, il est bon, il charge un popo. Des potions, sinon ça peut exploser. Qu'est-ce qu'elle avait en troisième item? Moi, je me rappelle même plus. Ah, t'avais pas une fleurette à la con aussi, justement? Voilà. Bon, t'auras une fleurette à la con. Donc, bah, justement, prenons sur la sorcière. La sorcière, il y a des potions de chance. Alors, anneau de sachoir interdit. Ça a l'air hyper compliqué comme truc. Ça va remplacer mon impact magique 3. Pas mal du tout. Avec ça, j'ai l'air puissante. Le charisme de Gilbed. Je vois pas... Franchement, à part, mon elfe, le charisme... Sinon, je vois pas trop. Hein. Deux, un d'adresse. Ouais. Il est peut-être changé le bracelet. Hein. C'est pour moi. Ouais, c'est merci. Pour toi, ouais. Bisous. 3 d'adresse, un peu moins bien la tunique légendaire. Quoique, ouais, quand même 4 de protection, quoi. Non, elle est mieux, ouais, elle fera les mieux. Si, vas-y, je gagne du charisme, ça me va. C'est beau, je suis bien contente avec ça. Sa couronne nulle. 2 de protec, ouais, avec multi-initiative en plus. Mais trop bien. Et son charisme de Gilded, soin donné plus 10. Allez, ça dégage. Voilà, tu passes sur des vrais stuf. Des vrais stuf. Tuf. Toi, c'est bon. Il y avait rien pour ma sorcière. Il y a encore beaucoup d'équipements qui méritent d'être améliorés. Si ça sent, c'est mes bottes. Qui traînent un peu de la patte, qui sont en souffrance sur mes équipiers. Hein. Baudrier de la plaine de Creed. Il a dit les termes. Ouais, ça va poutrer grave. Ouais, ça va poutrer grave. Gantelet de Seowulf. Le teigneux. Moins de protec.
de la force et de l'impact physique. Bref. J'aime bien celui qu'il a actuellement. Déjà parce que ça lui fournit un peu plus d'armure. Et que bah il est pas si large que ça. Ça lui donne un point de constite et du courage. Donc ça le fait jouer plus vite. J'aime bien l'idée. Après, je perds un point d'armure pour taper carrément plus fort aussi. Hein. Ça pourrait faire la différence sur son bond. Ouais. Allez, ça part comme ça. Parfait. Mon ogre. Oh, il a des genouillères 3 étoiles. Hein. Pop, pop, pop. Hein. Qui donne de la résistance physique, mais qui lui enlève de l'adresse. Désolé, c'est de la merde. Pagne de gourmet de chef d'Echeves, bien sûr. La version supérieure avec du charisme, du courage, de l'endu. Vraiment que j'aille regarder à quoi sert le charisme, parce que je trouve qu'il m'enfile beaucoup. Oh là là, regardez. Regardez-moi ce chef des cuisines français. Incroyable. Le charisme. Ça fait juste du soutien, le charisme. C'est pourri, hein. Ça vaut rien. Alors, je dis ça, ça se trouve qu'on va me dire que c'est super bien, en fait. Mais j'ai pas l'impression. Enfin, moi, je joue tout méga collé, mais c'est une mauvaise idée, parce que tu t'en prends plein la face. Mais finalement, est-ce que c'est une si mauvaise idée que ça? J'ai pas l'impression. J'ai moins l'impression, quoi. Notre elfe, on l'a équipé. Notre ranger, brassard de la confrérie du piano, on a décidé de pas le mettre. Ah non, pas mes poches. Non, non, calme-toi, calme-toi, ça va bien se passer. Le tabar de la mort silencieuse. Qui tue tranquillement, genre posément. Merci, c'est vraiment pour moi. Bracelet de la mauvaise vie. Moins de protec, plus d'adresse. Pas d'intérêt. Pas d'intérêt immédiat. Autre chose à déclarer, rien du tout. Le nain. Touche pas à mon or, c'est mon précieux. Arnoir de Goldor l'intrépide. 10 de protection. On peut jouer juste avec le nain dans la game ou pas? Parce que là ça suffit, je crois. Là je crois qu'il n'y a plus besoin d'un autre. Avec un petit point de constita. Ah quand même. Les oh là bons là. Objets ou bonnes personnes. Oh là là, il est légendaire doré. Il a son saucisson, quoi. Putain, il est trop bien. Les bracelets de Goldor l'intrépide, je les ai déjà. Et ben on est bon, hein. Putain, le nain il est en légendaire de la tête aux pieds. Alors est-ce que j'ai un anneau un peu sympa pour toi? Est-ce que t'en as un qui est un peu genre juste un de force, quoi? Peut-être passer tous les anneaux, non? Y'a plus? Ils sont où les anneaux? Ah, bague d'altruisme, de la merde. C'est pourri. Vraiment que des nuls, vraiment que des items nuls à chier. Il reste de quoi prendre des notes. Bon, on a bien pillé. Il ne reste plus qu'à nous tirer de là, vendre notre bordel et changer d'aventure. Ouais. Il ne reste plus qu'à conclure cette fameuse histoire de la grosse enclume. Je sais même plus qu'il faut retourner voir. La quête est affichée en haut à droite, je la regarde jamais. Nous verrons bien. Nous verrons bien. Retourner au donjon. C'est un peu flou, mais ok, on va faire ça. Putain, on va se payer un soin complet. On peut se le permettre, en vrai. Avec ce qu'on a pillé, on peut se le permettre. Hein. On va commercer, on va te vendre des choses. Ouais. Je crois qu'ils valent des milliers de pièces d'or, quoi. On est refait. Oh, le bif, ma gueule. Le pognon. Le déluge de fric. La moulaga, comme on dit dans le milieu. Oh, 44, le bracelet qui valait plus rien. Ouais. Quand tu commences à vendre tes items à 44-28, c'est que vraiment... c'est que vraiment, il faisait la gueule, hein. Ça tirait la tronche, hein. J'avoue, je me ternais. Eau de source des forêts elfiques. Ah, guérir l'état enflammé. Ça peut être rigolo. Ça peut être rigolo de s'équiper ça.
Pégase portatif. Alors, les items nuls, quoi. Potion de gros bilatitude. 4 de force, 2 d'impact physique et 2 d'adresse. Hein, ça, c'est pas mal comme popo. Hein. Chance de coup critique, chance d'échec critique. Ah ouais, joli. Hein. Potion de courage des dragons. Ouais, ouais, moi je vends tout. Hein. J'ai pas le temps. En fait, les potions, ça serait génial et absolument incroyable si tu gaspillais pas un temps. Un temps ouf. Je vais mettre ça sur ma magicienne. Là. Au lieu de lui mettre une fleurette débile. Déséquipé, je vais lui mettre l'autre source des crétins là. C'est où ça? Hop, hein. Je vais le mettre en 3 comme ça pour retirer l'effet enflammé sur des gens. Voilà. On vient de leur piller leur salle au trésor, y'a personne qui a rien dit quoi. Alors il y a des portes qu'on avait définitivement pas ouvertes ici. Hein. Ça là-haut c'est pas ouvert. Hein. Allons voir. On va voir si maintenant ça veut bien s'ouvrir. Non mais... Gros, la statue là. Et voilà, je le savais. Rien n'est dû au hasard. Mais que faites-vous ici, grossier personnage? Oula, désolé de vous déranger. Non mais c'est quoi encore ce nain ridicule? On devrait pas être ici. Sortons, c'est très impoli. Oui, bah ça va, c'est quoi le problème? Ben c'est... Ah là là, j'ose pas la regarder. Mais qui? Chut, elle pourrait nous entendre. Sortez, ou j'appelle la garde, malotru. Oui, oui, désolé. C'est une reine des nains. Mais chut, et ne la regardez pas, c'est très inconvenant. C'est quand même curieux, cette barbiche. Bon sang, j'ai compris, c'est une femme naine. Elles sont très rares, mais personne ne sait vraiment pourquoi. La théorie la plus fiable est qu'elles sont rares parce que très peu de gens veulent les incarner dans les jeux de rôle. Bon, c'est fascinant tout ça, mais on va peut-être s'en aller, en effet. C'est très drôle. Mais moi, il y a votre bibliothèque Menzorienne. On dirait que j'ai tous les livres de la collection. Oui, rangé. Le nain gagne plus 2 de constite, allez. Allez. Avec un peu de chance, il y a quelque chose de magique là-dedans. Encore un peu de loot, c'est que le 7ème coffre. C'est vrai. Excusez-moi, je me tape votre je me fais votre table de chevet tant qu'on y est. Avec une potion d'enduit de qualité, hein, s'il vous plaît. Hein. On a ratissé des vrais loot. Hein. Là, ce qui m'embête un peu, c'est que mon voleur n'a pas une ceinture à 3 équipements, je crois. Je pas de bêtises. Ouais. Ouais, c'est parce qu'elle lui donne 1 d'adresse. Potion d'endurance de qualité. Hop, en emplacement 1. Va peut-être falloir abandonner un jour les grenades parce qu'en fait, elles sont un peu nulles. 29-31, un réticule. 15 de précision, 5 de crit. Ah, je gagne un tir en vigilance avec lui. Ouais, vire ton arbalète. Hein. On touche pas à mon or, c'est mon précieux. L'éclipse fromagère 28-32, elle est moins bien que ce que tu te trimbales. Je crois que vous êtes que 2 à utiliser des arbalètes. Zut, c'est le foutoir là-dedans. Y'a quoi là-dedans? Après tout, ah, utilise des arcs. Mon sac. L'anneau des souverains, 1 de protection, 2 de charisme. Oh, oh attendez, fort intéressant. Non, lui, c'est rigolo. Pourquoi les gens, ils mettent des mains dans mes poches? Toi, t'as quoi? 3 d'esquive. Alors, on va te virer ton anneau de 3 d'esquive pour un anneau des souverains. Excellent. Voilà. Ça, t'as un plus gros bonus de soutien. Ça me fait plaisir. Putain, on a encore ramassé... Encore régalé là. Oh, c'est ça, je suis encore saucé, mais comme des sourds. Hein. Tac tac tac. Je pense qu'il y a que la porte derrière la forge qu'on pourra pas avoir. Commercer. Vendre le merdier. Hop hop hop. Les 3 chiens. Oh, les chiantos sont les gardes, allez. Hein. Attends. Il y a un chapeau que j'ai pas vu là. Il y a une couronne que j'avais pas vu. 2 secondes.
D'autres protect, donc déjà tout de suite ça devient un peu intéressant. 15 d'endu ou d'énergie astrale, impact magique 5 pour remplacer mes 2 d'intelligence, je suis d'accord. Pas mal du tout. Avec ça j'ai l'air puissante. Ah, c'est clair. Et t'as une nouvelle robe de la disjonction astrale, donc je perdrai 3 d'intelligence, Ah ouais. C'est très adapté. Oui, c'est très adapté. Ah ça fait... Ah ouais, en plus je crois que c'est un ensemble. Hein. Bon bah c'est cool. Bon, il n'y a plus que ces brassards qui sont un peu vieillots. Hein. Peut-être falloir faire quelque chose. Mais j'ai du mal à accepter de virer... Les points d'intelligence. J'ai du mal, ça fait ses preuves, hein, donc j'ai un peu de mal à les remplacer. Ok, bon, on est bien. Allons voir cette dernière porte. Ça, c'est les nains de la forge qui nous vendent rien. Qui sont des crevards. Dommage, on pourra pas l'avoir, je pense. Fallait peut-être faire l'autre fin, genre... trahir ou... Enfin, ne pas trahir, justement. Retourner au donge. Emprunter l'escalier fera progresser l'histoire et vous n'aurez plus accès au tréfonds d'Ulrich. Êtes-vous sûr de vouloir continuer malgré tout? Oui, pour une salle, j'accepte. Oh, le suspense, le jeu te met une pression. Calmez-vous, quoi. Chapitre 8e. Le maître du... C'est fini les escaliers? Oui, je crois... J'ai pas à compter... les marches. Ils auraient pu installer un ascenseur. Moi, je suis monté en courant, mauviette. Chapitre 8e, disais-je, le maître du donjon. Après avoir contribué à la stabilisation politique du royaume des nains c'est du chaos... C'est de la merde, les nains du chaos. Comme tous les nains. Pas flétrir, face de carotte. Les carottes, ça rend aimable. Et en plus, ça devient nécrose. Y en a qui bossent. Bref. À l'issue de leur pérégrination dans les profondeurs, nos héros ont fracassé l'amulette du désordre et sont enfin libérés de la malédiction de manque de bol. Tout au moins, l'espèrent-ils. Je n'aime pas beaucoup le sous-entendu. Moi, j'ai pas écouté. Il y a trop de mots. Oh là là, mais je suis entouré de gens pessimistes. Je ne vous écoute pas. J'ai l'habitude. Tiens, vous voilà. Je termine justement le ramassage de morceaux d'araignées gluants. Bah, c'est les araignées qui sont gluantes ou les morceaux? Vu leur état, les deux, je crois. Bien, il faut maintenant décider de ce qu'on va faire ensuite. Eh bien, en tant que chef, je... Non, non, pitié, pas dans ma tête. Je ne peux pas passer le balai dans ma tête. Fumer, c'est pas bon pour la santé. Mais c'est quoi ce bordel? Qui est-ce qui disait que les choses ne pouvaient pas être pires? Mes pouvoirs! Ils sont enfin libérés! Merci! Merci, aventurier sans cervelle! Vous m'avez rendu ce que manque de bol m'avait pris! Je suis tout puissant! Je suis... Vous êtes incarné dans le corps d'un vieux balayeur. Quoi? Mais... Par les 100 000 avateurs de Zinch! Il a été contraint de s'incarner dans le premier esprit faible disponible. Ah ah! Ouais, trop naze! Il est bon pour la maison de retraite des démons! Zut! À quelques mètres, il aurait fini dans l'elfe. Hein? C'est gentil de te soucier de moi. Non, mais s'il t'avait possédé, j'aurais fendu ton crâne de gourde avec la bénédiction des autres débiles. L'intelligence n'a aucun rapport avec la force d'âme. Le barbare, par exemple... Les démons, c'est pourri. Chrome, on s'en va de 4 à chaque petit déjeuner. Qu'ils sont énervants. Même dans le corps d'un balayeur, je peux vous balayer. Ah, mais c'est qu'on repart sur une grosse baston, en plus. Ah, avec des éléments séparés. Quel plaisir. Alors...
C'est pas que je vous aide pas ton tube à essai, mais j'ai des choses à faire et j'ai pas prévu un épisode qui allait se transformer en 70 minutes. Donc je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine parce que je vais pas faire un épisode de 45, j'ai pas le temps malheureusement. Donc ce sera un épisode de 25 minutes, désolé. Je vous remercie, c'était Knarfank sur Comme d'habitude Gaming et je vous dis à la